Bon les amis, la folie, je viens de tirer mon premier sanglier, truc de fou, je sais pas comment vous dire, je suis dans un état second, c'est... Je sais plus donner la tête, d'ailleurs vous entendez les chiens hurler, mais tire de fou, vraiment, je saurais quoi vous dire, je suis dans tous mes états, c'est... Je tremble, je sais pas vous dire, j'ai un état où j'ai pas encore vu le sanglier, donc je sais pas encore comment réagir, mais... On verra bien la fin de la battue. On verra. C'est pas le tout de tirer. Allez, faut tirer à la corde, à l'angle. Allez. L'égalité des sexes. C'est toi qui tire. La pince, c'est une vie. C'est pour ça que je regardais en face quand j'ai fait ça. J'ai dit, mais il faut être enculé pour qu'il me passe une montgolfière quand même. Enfin, il prend un snap, il dit, je crois, je vais l'essayer. Mais moi, je l'ai pris en photo aussi, du coup, elle a trouvé la photo. Ok, la corde. J'avais, il faut être enculé. J'entendais, qu'est-ce que c'est ça? Que j'entendais les chiens capter derrière, je dis, aïe, aïe, aïe. Et là, j'entends, bam, bam. Je dis, ah là, il y a bon. Fais attention. Il faut te le reprendre maintenant. Quand c'est pas sale comme ça, moi aussi je le porte sur le dos. Ouais. Je demande à Ludo, on les porte tous sur le dos. Tu sais, je le reprends maintenant. Le chemin est là, le 4x4 à 100 mètres sur la coupe. Tu vas le porter sur ton dos. Pas de problème, mais après, après tu fais pas tout le truc, tu te reposes. Tu le prends, c'est tu le phénomène, prends. Moi je fais pas. Il faut que tu sois gêné par les branches comme t'as été gêné, tu es obligé de le poser. C'est le phénomène. Ah oui. Ça monte comme ça. Ah oui. 105 000, j'ai du mal à monter. Il y a rien à dire. C'est moi qui tire. Ah ouais. Le gars, je te dis, 2h45 de route, 70 euros de gasoil, 30 euros de péage, et mon con lui tire le sanglier. Tu crois que c'est normal ça? Ah mon billet, heureusement qu'il y avait Océane. Wow, une petite dédicace au grand blond de Pompignan, qui garde les enfants. Chacun. T'as pas de chance mon pauvre. Et bah il t'aurait fait tirer le sanglier, l'autre encore il filme. Allez drone, c'est drôle. Hein. Je tue le sanglier, alors là. C'est le top. Mais que le Carini me le rabat là. Alors là c'est... Dans la vie il y a deux sortes de personnes. Il y a les chasseurs qui tirent.
et il y a les rabalaires. Ouais. C'est le Carini, regardez-le. Là, il y a un bon rabalaire, là. Et il y a les cœurs à la mort. Ah. Et qui bougent pas. Ah, regardez-moi ça. Franchement, il m'a dit, moi, si c'est plat, je le fais. Il le fait. Franchement, moi, j'aurais pas pu le faire. J'ai du mal à monter tout seul, moi. J'ai pris 8 kilos, j'en peux plus. Regardez, je suis essoufflé, je fais un peu d'asthme. Mais là, le Carini m'a fait ma journée. Bon, femme, par contre, c'est un phénomène. Il a monté, vous voyez une piste noire au ski, ça monte moins. Le sanglier sur son dos, ça montait comme ça. Lève-toi un peu. Ouais, va. Où tu veux, gauche ou droite? Pas besoin de venir à 50. Si vous tuez un sanglier, vous appelez Fanfan. Calme les couilles. Il est là. C'est une force en nature. Il a monté comme si de rien n'était. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Enfin bref. Un cube de 1000 litres. Quand on fait des bonnes choses, il faut les dire, mais quand on en fait des mauvaises, il faut les dire aussi. Donc je tire ce sanglier, je le vois faire carreau, pile, pouf. Vous voyez, quand le cul tombe avant, carreau pile, ou pas plus. On va le chercher, on est 5. Moi, j'avais pas de couteau ce matin. Océan pose le ciel, la chasse est finie. Moi, mon sanglier est carreau, donc ça fait, on n'a pas besoin d'aller, pas besoin d'avoir un couteau. Et donc, on y va. J'arrive à mon coup de fusil, pas de sanglier. Alors là, je dis, c'est pas mal. Donc, hop, je vois un peu de sang, des traces. Et il y a un ruisseau à 10 mètres. Il y avait Philippe et Jérôme qui sont conducteurs de chien de sang. Je me suis dit, je vais quand même faire 10 mètres dans le ruisseau. S'il n'y est pas, eh bien, je les appellerai. On arrive, le sanglier c'est 55 kg, dans le fossé. Par contre, il n'était pas mort. Et comme on n'avait pas de couteau, ben voilà, je l'ai fait à l'ancienne, j'en suis pas très fier, mais bon, on n'avait pas d'autre solution, donc j'ai pris la pierre et j'ai tapé entre les deux yeux pour le finir. J'y suis pas arrivé, le fait Christopher le passe parce qu'il était gros, donc du coup voilà. Et tout ça pour dire que la chasse n'est jamais finie, quand on va chercher un sanglier, ben, il faut prendre ou sa carabine ou un couteau parce que voilà, j'ai fait une erreur de débutant, mais je le reconnais. Et dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. Donc voilà, c'est pour vous donner un conseil les prochaines fois. Je pensais 100% qu'il avait fait carreau le sanglier. Dans la lunette, je vois, il fait vraiment un pile. Et en fait, la balle, elle est en haut des épaules, un peu en dessus. Alors, je comprends pas. La GPA, elle a pas trop bien travaillé, je trouve. Thibaut m'en voudra pas parce qu'il sait très bien que moi je dis ce que je pense. Et je pense que c'est pour ça qu'il me fait confiance. Mais voilà, là, je pense qu'elles ne sont pas. Après, j'ai pris plein épaules en haut, donc du coup, comme ça a tapé dans l'os directement, elles ont pas dû expanser. Ça fait juste un trou entre les deux épaules. Voilà. Voilà. Donc là, on va au rendez-vous. On va dépecer. C'est déjà 9h40. Le temps d'aller chercher sanglier. On a arrêté. On a lâché. C'était 6h15-20. Et on a déposté. On a arrêté les chiens. C'était 8h15. Voilà. Parce que les chiens, c'est des chauds déjà. Et voilà. On a bougé pas mal de sangliers. Il y a pas mal de monde qui a tiré les sangliers. Il y a eu pas mal de ratés. Et je crois qu'on a tué 3 sangliers. Ils sont allés vérifier le tir. Je le saurai plus tard. Voilà. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt.